Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Sponge. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e épisode donc de Murderhead Assault Suspect. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo si vous l'appréciez, elle et la série. Et puis, sans plus tarder, on est reparti après avoir découvert que justement Baxter avait un comportement plus que suspect. Oh putain! Oh putain! Excusez-moi. Oh putain! Oh putain! Excusez-moi, j'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race. Non, 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 tu m'as pas vu, non. Merde. Cache-toi, 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 cache-toi. Putain, mais ils me font flipper ma race ces trucs, hein, sans déconner. Hein. Alors attendez, quand il se retournera. Là, il est retourné là, non? Ah, mais j'ai tellement peur qu'il revienne dans mon dos. Je vais plus m'occuper de celui-là là d'abord. Bien que je ne sache pas comment faire. Non, attendez, on va. Ok, il y en a un, deux. Il y en a... Ne me dites pas qu'il y en a trois. Attendez, je vais m'occuper de celui-là dès qu'il se retourne. Allez, viens là, mon gros. Estac. Alors, il y en a encore. Ouais, il y en a deux. Il y en a bel et bien deux. Ça va être très compliqué, hein. Je vous le cache pas. Et en plus, j'ai un ticket, mais on n'a pas rassemblé encore les 3 ou les 4, je ne sais plus, pierres qui nous faut. Et lui, là-bas, il me regarde pas. S'il me regarde. Dès que lui va arriver. Viens là mon gros. Alors, ah. Ok, le dernier n'a rien vu. Là il se retourne par contre. Attendez, là donc il se retourne, ok. Putain, ils m'ont fait flipper avant, je suis désolé si j'ai un peu crié. Je vais le tenter. Ok, d'accord, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Hop là, cache-cache, cache-cache. Je suis caché. Et là, je peux pas l'éliminer. Ok, maintenant, où est-ce qu'il est? Il est reparti là-bas. Il est reparti là-bas. On le tente, on le tente, on le tente, on le tente. Mais... Non. Non. Merde. Ok, j'ai compris. En fait, les ombres qui restent, en fait, c'est des âmes qu'ils ont dévorées, quoi. Bon, du coup, je vais faire une petite ellipse, je vais passer les démons et on se retrouve juste après. A toutes. Et me revoilà, j'ai enfin réussi à me débarrasser de tous ces vilains zombies. J'ai d'ailleurs bien galéré. Et on est reparti. Ce qui me saoule, c'est que du coup, j'ai pas trouvé tous les cailloux une fois de plus. Je n'ai pas trouvé tous les cailloux. Combien il m'en restait? Attendez, comment est-ce que... Ok. Je comprends pas tout là, mais du coup, ouais. Du coup, bah, je passerai à côté du truc, quoi. Y a plus de train là? Non. Ouais, bah j'ai l'impression que je... Je viens de recevoir un message. Il s'est encore passé oh. Quelque chose. Quelque chose d'horrible. Oui, moi j'ai entendu parler d'un meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça vient juste d'arriver. La police panique grave. Mais pourquoi? Je sais pas.
mais ça a l'air sérieux. Oh. Ok, il s'est passé Donc encore un truc bien apparemment sale. Un type d'exécution. J'ai encore du coup pas retrouvé tous les éléments. Je suis blasé. T'as vu tous ces gyrophares? Je suis vraiment blasé, quoi. Et donc j'étais en train de Jim regarder le match quand je... T'as entendu ce qu'il a dit? Quelque chose... Saint-Bénédicte. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, cette ville, non, l'église. Oh, bon sang. Oh putain, non, l'église. L'église. Ah oh, putain, me dis pas que genre le prêtre il est mort ou... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous allez où? Oh, ah, ça pue du cul. Ça pue du cul, les amis. Ok, on rush l'église, c'est parti. Alors du coup, je suis désolé pour ceux qui sont vraiment déçus... que j'ai pas pu voir l'extrait, moi je regarderai en off, alors peut-être pas tout de suite vu que je suis dans une série de tournage, mais je regarderai un peu plus tard, à la limite je ferai peut-être un résumé, enfin je verrai comment est-ce que je vais faire ça. Dans tous les cas, attendez, faut que je passe par là. Dans tous les cas, je pense que s'il y en a pas mal qui me demandent, je ferai sur le dernier épisode un condensé de toutes les histoires, tous les éléments cachés qu'il y avait à découvrir. Un ballon de rugby. Encore loin cette église là. Je peux pas passer là. Je peux faire un tour peut-être, non? Attendez, là c'est pas le truc où j'étais tout au début. Avec la petite fille, non? Non, je dois me tromper. Parce que là je suis un peu perdu. Le monde est à... Oh! Oh, il y a un chat. Miaou. Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais j'ai pas trop le temps. Alors je vais directement partir à l'église parce que je pense qu'il s'est passé un truc bien bien sale. Par contre là, ça me rassure pas des masses. Alors elle n'était pas encore revenue, l'autre nana, donc je pense que celle qui est normalement avec nous, il y aura pas de problème. Par contre, les filles qu'elle a laissées à l'église, j'ai peur qu'on les sauve pour rien en fait. Oh. Bonjour. Ok, soit. Je crois que je suis complètement perdu là en fait. Je suis désolé. Après, il y a plein d'items sur le chemin. Encore 7. Merci Steam pour le succès. Ouais, mais oui, par contre, oui, c'est vrai, je suis complètement paumé. Hein. Où est l'église? Attendez, petite ellipse, tant que je la retrouve. À toute. Ok, c'est bon, je l'ai retrouvé. Je fais un petit détour, hein, sans faire exprès. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé à Saint-Bénédicte? J'espère vraiment que les deux qu'on a sauvées de l'asile sont pas mortes. En tout cas, celle qui était avec nous, normalement, n'est pas morte, théoriquement, puisqu'elle vient de nous quitter. Elle n'a pas pu... J'espère que le père... alors, je sais plus comment il s'appelait, père Martin? Père quelque chose? Je sais plus exactement les comment il s'appelait. Les malfrats s'habituent. Mais j'espère vraiment qu'il est pas mort. Mais même après un certain temps, elles peuvent encore vous glacer le sang. Il arrive d'avoir le pressentiment que cette fois-ci... Les lumières s'allument pour vous. Ok, il y a un brancard vide. Elle souhaite. Ça présage rien de bon. Putain, comment elle se planque, elle. Heureusement que tu n'as rien. Non, non, Joy! Joy, non! Bordel. Oh, bordel. Il va se passer un truc bien sale là-dedans. Je me demande qui est-ce qui est mort, qui est-ce qui a disparu, qui est-ce qui s'est fait pendre ou je ne sais quoi. Lieutenant, elle prétend être une amie du prêtre.
Je l'ai surprise dans l'escalier. Oh, où est le père Macaulay? Est-ce qu'il va bien? Mettez-la dans ma caisse. Je l'interrogerai moi-même. Et rappelez à Brawls que cette porte va pas se garder toute seule. Oui, chef. Mais répondez à ma question! Allez-y doucement avec elle. Hey, est-ce que quelqu'un a vu Baxter? Non. On a été voir au poste. Chez lui, personne. Il y a quelque chose qui cloche. Ah, ça pue du cul, ça. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? J'ai l'impression de nager en pleine énigme. Je sais pas. C'est tellement tordu. Tordu. Je dois aller sur les lieux du crime avant qu'ils en scellent définitivement les preuves. Je pense, donc ça doit être le père Baxter qui est mort. Et je pense que il a été tué d'une des manières qu'on a vu à justement à l'église. Voilà, c'est la sortie. Là, on meurt. Putain, les enfoirés. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié, en plus, il y en a trois. Je pense qu'il n'est pas là, le prêtre. Vous savez quoi? Je vais sortir. Hop. En fait, je me demande si j'ai pas fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie en fait. Je pense que le prêtre était là. Je vais attendre qu'ils arrêtent de me chercher. J'espère sincèrement qu'il n'y a rien. Je peux tomber là. La ninja! Comment je t'ai feinté, mec? Allez, hop. Là, d'accord, je ne peux pas passer là. Poltergeist. Est-ce que je peux passer par là? Non. Il y a un endroit où je peux passer. Comment est-ce que je peux... Est-ce qu'il fait seulement une ronde, peut-être? Ok, il s'en bat. Mais alors, complètement les couilles. Et ici. Allez, mon vieux. C'est l'œuvre d'un vrai monstre. Ah putain, je sens tellement mal ce qui s'est passé. J'essaye de voir là dehors, là. Ne me dis pas qu'il a fait un massacre. Oh non, vous vous souvenez le supplice où on met les pierres sur le mec? Il y a forcément plus d'indices. Ah putain, je crois que c'est ça. Il a torturé, il a mis une pierre après l'autre sur le mec jusqu'à ce qu'il balance. Ou sur la nana. Mais je pense que c'est le prêtre. Oh putain, cette tension. Oh non, c'est la gamine. Iris ? Découvrir si Iris est en sécurité, ben non. Ben non. Putain, mec. Mec, comment est-ce qu'il a su qu'elle était là d'ailleurs? Putain, la peau. La cloche. Elle a été écrasée jusqu'à la mort. Putain, c'est dégueulasse. Et c'est pas une. Oh, pardon, j'ai mal cliqué. Excusez-moi. C'est avec des roches. Comment ça, des rochers? C'est pas juste. Elle a été écrasée jusqu'à sa mort, on est d'accord. Avec les pierres d'assa. Ok, d'accord. Il y a vraiment. Et c'est pas une mort accidentelle. Hein. C'est pas un suicide, c'est pas une mort accidentelle. Ah!
Putain, il est où le père Martin? Enfin, le père truc là. Ah putain, si mais oui. Si elle était restée à l'hôpital, elle serait encore en vie. Si on l'avait pas retirée de l'hôpital, putain. Ne te raccroche pas à ce qui te retient ici. Ah putain, la pauvre. Souviens-toi, c'était pas ta faute. Je suis désolé. Si. Bon, moi, elles sont allées vers la lumière, mais ouais, en fait, si on les, si on l'avait pas. Retiré de l'hôpital, elle serait encore en vie. Et le prêtre, et putain, si le prêtre en plus il est mort, c'est. Ah, si le prêtre en plus est mort, je vous jure que je fais une prisonnière là. Il est où le chat? Rien n'est sacré pour ce type. Ouais, en effet. Ouais. Oh, regardez la scie. Ah bah tiens. Un de plus pour découvrir l'histoire, ça se trouve en fait on va avoir l'histoire en live. Je fouille un peu le tout. Faudrait que je retrouve le chat pour monter en haut. Pour monter au grenier, je crois que c'était où elle était cachée. J'espère vraiment que le prêtre il est encore en vie. Hein. Ah non, là c'est de là je viens. Je fouille un peu tout, hein. J'en profite. Ah putain, je crois qu'il y a une deuxième scène de crime. Ah, ça va pas me plaire, deuxième scène de crime. Ah putain, non, le prêtre. Oh putain, non. Il y a les traces des pattes du chat. Comment je vais apprendre ça, Joy? Que faisait le tueur ici? Regardez les pattes du chat. Putain, non, le prêtre quoi. Il est mort en essayant de protéger Iris. Sûr que ce soit d'un grand réconfort. Ouais, je vous jure, je suis pas très très bien là. Bordel. C'était un mec, c'était vraiment un homme de bien le type. Il a voulu protéger la gamine et il s'est fait tuer. Quoi. Putain. Alors je vais juste redescendre 5 secondes. Je suis désolé, c'est parce que pour moi, je n'ai pas encore fait totalement le tour. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain. Oh. Merde! Oh putain! Que fait Iris? Elle a besoin d'aide. Elle tombe. Elle est effrayée. Oh putain! Madame? Vous m'entendez? Vous ne dites plus rien. Comment est-ce qu'un seul homme aurait pu faire ça? Et ouais, c'est, il a vraiment des pouvoirs un peu mystiques. Hein. Oh là là, plié en deux, putain. Mais ils ont rien demandé, ces gens. Ils ont rien demandé à personne, putain.
En fait, là, il est passé par la fenêtre dehors. Elle a été projetée. Ouais, comme moi, en fait. Hein. Putain, et en plus, c'était un anniversaire. Oh, mais et en plus, le prêtre... Non, franchement, c'est... Je suis vraiment... Waouh. Je suis vraiment ému pour le prêtre. Putain, ces gens, ils ont rien demandé, quoi. Il les a butés sans aucune vergogne. Cette fille s'enfuyait. C'était elle qu'il voulait. C'était pas nous. Comment elle a survécu d'ailleurs? Je crois que j'ai vraiment besoin d'arrêt. Ok tout le monde, on a fait cette photo, il faut qu'on aille à la réception là. Très bien, serrez-vous. Oh mais qu'est-ce que... Hey, elle n'a rien, ça va, c'est rien. Du calme. Laissez-moi partir, laissez-moi, il est ici. Oh putain. Écoutez, partez maintenant. Oh. Je le tiens. Oh putain. C'est tout. Sa cible, c'était Iris. Peut-être que je trouverai plus d'indices dans la chambre de Joy. Oh putain, et c'est... ça me prend mais tellement au trip cette histoire. Du coup, on va se laisser là pour ce 12e épisode. Et putain, Just Married. Oh putain. Bon, du coup, c'était Mister Spawn. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis à fond dedans. Je vous donne bientôt rendez-vous pour le 13e épisode. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, notamment sur Twitter si elle vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao!